Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je vais prendre plusieurs petits jeux, on va prendre 5 jeux. On va commencer, je te les présenterai au fur et à mesure. On va commencer par le tarot des anges gardiens. J'avais envie de te prendre ce jeu parce que c'est des cartes messages plutôt sympathiques. Il y en a un qui a sauté déjà pour toi. Donc c'est un petit message des anges pour toi, pour regarder un petit peu peut-être une direction, pour répondre à une question, ou tout simplement parce qu'ils ont envie de te dire quelque chose. Alors c'est parti. Tu as le gardien de l'action. Ce mois-ci, je te le mets si tu veux le relire toi à tête réfléchie. Alors, il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Tiens donc. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. On va te demander peut-être ce mois-ci de t'imposer un petit peu plus hein, et d'exposer, d'extérioriser ta créativité ou ta personnalité. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Tu vois, voilà, c'est ce que je viens de te dire. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors ce mois-ci, justement, en parlant de défis, je pense qu'on va te mettre des petits défis sur le chemin. Et je pense qu'il va falloir que tu essayes d'outrepasser ton comportement, en fait, ou tes pensées, pour pouvoir te mettre en avant. Voilà, pouvoir te mettre en avant, montrer réellement qui tu es, réussir à dire non si tu n'en as pas envie, réussir à t'imposer, réussir à répondre lorsque peut-être on te parle méchamment, tu vois. Voilà, il y a vraiment cette notion de s'imposer ce mois-ci pour toi. Alors, on va prendre l'oracle des nombres pour avoir l'énergie globale de ton mois d'octobre. Alors, pour les scorpions, voilà. Putain, ça saute direct pour toi. Ça va pas durer 3 plombes la vidéo. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, tu as le soutien extérieur. Ça, c'est ressorti dans la semaine. Il y a le soutien extérieur qui est ressorti pour toi pour ce mois d'octobre. Donc, peut-être aussi, le soutien extérieur peut rejoindre la carte des anges en disant peut-être que tu pourrais te faire aider, prendre un coach, d'accord, pour t'aider justement à t'imposer, à t'extérioriser si tu es de nature plutôt timide ou si tu n'aimes pas te mettre en avant ou te montrer aux autres, j'ai envie de dire, voilà. Peut-être que ce soutien extérieur te sera bénéfique. Ça peut être un psy, ça peut être un thérapeute, mais quelqu'un qui va t'aider à révéler ta véritable personnalité, à montrer qui tu es, au lieu que ça te ronge de l'extérieur, à pouvoir extérioriser. En tout cas, si tu as besoin de soutien ce mois-ci pour pouvoir t'aider dans tes entreprises, pour pouvoir t'aider à changer, si tu as envie de changer, d'accord, ce n'est pas une obligation, eh bien, tu recevras ce soutien. Voilà. En tout cas, tu as du soutien, tu seras soutenu. Et c'est très important de se sentir soutenu. Je vais te lire quand même, j'avais oublié, je vais te lire quand même le petit message de la carte 24. Voilà, des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui préoccupe actuellement. Ouvrez votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu. En effet, vous avez beau tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une ou des solutions. Voilà. C'est bien, ça concorde. Hein. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle Météès pour faire le tirage. Je ne le quitte plus, cet oracle. Donc, c'est l'oracle de Irène Rust Tarot. Voilà, tu peux retrouver ce jeu sur son site internet ou via la boutique Etsy, E-T-S-Y. Il est juste magnifique. Voilà, tu ne seras pas déçu. Donc, on va prendre celui-là. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour octobre. La balance, la justice, peut-être tu seras dans des papiers assez importants, peut-être il y a quelque chose, il y aura quelque chose de juridique, d'accord, une affaire juridique. Il y a la justice qui ressort, justice sera rendue, officialisation sera faite. Ah, le guide qui ressort, tu vois, le guide extérieur, le soutien extérieur, le guide extérieur, le soutien extérieur, le guide, il y a vraiment cette notion d'aide et d'entraide pour toi pour ce mois-ci, hein. Il y a vraiment des personnes qui vont te diriger, qui vont t'aider, qui vont t'aiguiller, qui vont t'éclairer. Tu ne seras pas seul. Allez, pour les scorpions. La porte qui s'ouvre. Tu vois l'ouverture.
et la discussion qui est ressortie pour toi. Donc, il y a une communication positive, il y a une communication, on te demande d'extérioriser, on te demande d'ouvrir les portes de la communication, on te demande de t'ouvrir à la communication. Tu es plutôt quelqu'un peut-être en retrait qui n'ose pas extérioriser. Alors, les scorpions, c'est plutôt de nature comme ça, plutôt de nature discrète, qui n'aime pas les problèmes, qui se mettent en retrait. Maintenant, peut-être que ton ascendant prend le dessus. Si tu es bélier, c'est sûr que voilà, c'est le jour et la nuit. Mais en attendant, voilà, il y a la porte qui s'ouvre et il y a ces discussions. Donc, on voit une communication plutôt positive, mais on te demande de t'ouvrir. On te demande de t'ouvrir aux autres, mais on te demande aussi de lâcher les vannes ce mois-ci. Ça peut être aussi une communication, d'accord, un coup de téléphone, une communication, une discussion. Bon, cette personne a l'air plutôt agréable, plutôt positive. Cette discussion t'amène à ouvrir des portes, d'accord? Il y a des ouvertures, donc des discussions plutôt favorables. D'où la carte du soutien extérieur, du guide. Peut-être que quelqu'un va t'aider à débloquer une situation. Allez, on va prendre 9 cartes. Je suis en train de voir que mes jeux, ils sont pas loin de ma bougie. Il ne faudrait pas que je les crame, ça serait con. Allez, 1, 2, 3, 4. Pas de place. 5, 6, 7, 8 et 9. Oh! L'élévation, la progression. Voici ta carte qui ressort en dos du jeu. Moi, j'ai dit dos du jeu. L'élévation, la progression, le haut de la pyramide. Tu vas gravir les échelons ce mois-ci. Allez, on dévoile. La carte centrale, l'isolement qui ressort. L'isolement, c'est le fait... alors, ça peut être la carte voilà, de broyer du noir, de la dépression. Mais par rapport à toi, dans le tirage et mon ressenti, c'est le fait d'intérioriser. Tu vois, cette personne est totalement fermée. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose de bloqué à l'intérieur. Donc, il y a cette notion d'enfermement, mais à l'intérieur. C'est le fait de ne pas t'être révélé. Comme si tu passais à côté de ta vie, en fait. Voilà. Partir. Quitter une situation qui ne te convient plus. Quitter une personne qui t'enferme et qui ne te convient plus. Il y a cette notion d'aller voir ailleurs. Et peut-être que tu vas avoir besoin de ce soutien extérieur pour pouvoir quitter cette situation qui ne te convient plus, quitter cet enfermement, partir. Partir de cet état d'isolement, voilà. La lumière, l'éclaircissement, tu vois. Il y a tout qui se suit, il y a tout qui concorde. J'adore quand ça fait comme ça. Partir, d'abord il y a le repli, l'enfermement. Quitter, partir, lâcher prise, accepter et laisser partir. Et la lumière, l'éclaircissement qui se met en place. Et la paix. Tu vois comme tout se suit? La paix. La paix enfin. La paix envers toi-même. La paix, le soulagement de ne plus être lié à cette situation ou à cette personne. Retrouver la paix. Être serein. La force. Reprendre du poil de la bête. La tour. L'administration qui ressort dans le jeu. La réconciliation. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, il y a quand même une nouvelle rencontre derrière. Tu ne resteras pas seul. D'accord? Ça peut être la réconciliation envers toi-même aussi, hein, parce que la réconciliation ressort après l'isolement. Hein. Donc, ça peut être le fait voilà, de retrouver la paix. La réconciliation, la paix. Putain, c'est énorme. Le silence. L'isolement ressort avec le silence. Le fait de ne pas t'imposer. Et l'étoile, elle est magnifique cette carte, j'adore. L'étoile, l'espoir, la réussite, le bonheur, la joie, le bon chemin, le guide, le vœu exaucé. Tu vois? Voilà. La tour, c'est aussi le fait, la tour, tu sais, les princesses Disney, elles sont toujours enfermées en haut de la tour, hein, d'accord? Et juste à côté, comme par hasard, tu as l'isolement qui ressort. Il y a vraiment cette notion. Après, dans le jeu, on voit partir, on voit la lumière, on voit la paix, la réconciliation, la force, l'étoile, l'élévation. Là, je pense qu'il va falloir que tu mettes des choses en place. Si tu souhaites, hein, je pense que tu sais de quoi je parle. La situation est bien ciblée. Et je pense que si tu veux quitter cette situation de non-épanouissement, il va falloir que tu mettes les choses en place et que tu réussisses à voir vraiment la vérité en face,
comme j'ai dit, que tu arrêtes d'occulter, que tu arrêtes d'ignorer et que tu prennes les choses en main, quoi. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, et c'est pas pour rien que j'ai ressenti ça, j'ai vraiment l'impression dans ce jeu que tu passes à côté de ta vie, c'est-à-dire que tu te sacrifies. Tu te sacrifies pour le bonheur des autres, tu te sacrifies parce que tu n'oses pas laisser ton autre par peur de le faire souffrir, ou en te disant « ouais, mais il va rester seul, ouais, mais... » Mais tu te sacrifies toi et tu passes à côté d'autres choses en fait. Voilà, il y a la réconciliation qui ressort. Dans tous les cas, tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre pour moi dans ce jeu. Si tu t'en vas, si tu quittes, attention si tu t'en vas, hein. Si tu quittes la situation qui ne te convient plus. Après, tu l'adaptes à ta situation, mais le conseil qui t'est donné, c'est partir. Voilà. Tu vois, on a la tour, on a l'administration, on a la force qui ressort et on a le silence. Alors, je ne dis pas qu'on te fait chanter, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est un petit peu comme si tu avais peur justement de t'exprimer parce que tu estimes que les personnes qu'il y a en face de toi vont t'écraser. Enfin, tu estimes. Tu as peur qu'elles t'écrasent, d'accord? Donc, toi, tu t'écrases face à elles parce qu'ils sont beaucoup trop imposants pour toi et tu en as peur. Voilà. Donc, il y a cette notion de silence, le fait de se taire et de ne pas sortir les choses. Mais toi, tu n'es pas bien aussi, hein, de l'autre côté derrière. Hein, voilà. Bon, après, tu as la carte du jeu qui nous parle de progression, d'élévation, de festivité qui ressort. On a le foyer aussi qui est ressorti dans ton jeu. Donc, on a quand même des cartes positives pour ce mois-ci. Hein, ok, voilà. On n'est pas non plus condamné. On a quand même le soutien extérieur qui est ressorti. On a le guide aussi qui était présent. Donc, on voit des personnes qui vont t'aider, hein, justement, à t'élever, à progresser, à aller de l'avant. Ensuite, on a la paix qui ressort avec les réconciliations et l'étoile avec la réussite. Alors, il se pourrait du coup qu'il y ait une situation, peut-être que tu t'es disputé avec une personne ou que sur ton lieu de travail, peut-être il y a beaucoup de conflits avec la carte de l'isolement, le fait que toi, du coup, tu te sois mis en retrait parce que les situations étaient vraiment néfastes et négatives. On voit des réconciliations en ce mois d'octobre qui ressortent avec la carte de la paix. On peut dire que du coup la situation va s'apaiser, qu'il va y avoir un retournement de situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui du coup vont te faire tomber à culpa, ou peut-être que toi, encore une fois, tu vas mettre de l'eau dans ton vin. Mais dans tous les cas, on voit des réconciliations par rapport à la situation actuelle que tu es en train de vivre. On voit la paix qui revient, d'accord? Donc on voit des personnes qui se réconcilient. On voit, comme je t'ai dit, je pense voilà, que tu vas mettre encore une fois de l'eau dans ton vin. Et tu vois partir, changer de bâtiment. Là, c'est ce qui ressort. Alors, ça peut être le fait de changer de bâtiment au niveau professionnel. Ça peut être le fait de changer de bâtiment au niveau habitation, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de quitter, là. Hein, de quitter cet état d'isolement. Et on voit la lumière. Pour moi, tu y verras beaucoup plus clair. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu ne réussiras pas à t'en sortir seul ou seule, d'accord? Que tu n'y arriveras pas, que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, de tout ce qu'on a construit, tout ça. Et pourtant, on voit que tu gères super bien et on voit d'ailleurs que tu y verras beaucoup plus clair. Et le fait d'y voir beaucoup plus clair, la lumière, c'est les solutions trouvées, hein, la lumière qui s'allume, d'accord? C'est lorsque des solutions sont trouvées, c'est le Eureka au-dessus de ta tête, hein, c'est toujours comme ça que c'est dessiné dans les dessins animés. Et bien là, le fait de partir, en fait, ça te permettra du coup d'y voir plus clair, de pouvoir solutionner pas mal de tes soucis. Parce que peut-être tes soucis sont là où tu es actuellement et en les quittant là, et en allant ailleurs, du coup, tu pourras mettre de la lumière dans ta vie, mettre un éclairci, y voir beaucoup plus clair, retrouver la paix. Il va falloir que tu trouves la force de te sortir de cette situation. Ça, après, il n'y a que toi qui peut le voir, qui peut le savoir. Mais on va te demander de te trouver la force. Et si tu n'y arrives pas seul, sache que tu as ce soutien extérieur ce mois-ci. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a cette progression qui ressort. Après, il peut y avoir un projet. Il peut y avoir un projet qui progresse quand même en parallèle ce mois-ci. Il pourrait y avoir quelque chose qui progresse. Et on voit que tu vas fêter quelque chose, d'accord? Il va y avoir des festivités. Il va y avoir des festivités. Alors, ça peut être une relation sentimentale, hein, d'accord? Une rencontre dans le domaine sentimental. Cette notion de progresser positivement, de sortir, d'avoir des invitations, d'accord? Voilà, il y a quand même de la progression. Tu ne vas pas stagner ce mois-ci. Mais j'ai l'impression qu'on va essayer de te déloger de ta zone de confort. À toi de prendre les soutiens extérieurs qui viennent à toi de les accepter ou pas, tu peux décider de rester dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Je veux dire, c'est pas non plus, voilà. Mais sache que, en tout cas, par rapport au jeu, c'est un non-épanouissement pour toi dans ta vie. Voilà, je le redis, je le répète, tu passes à côté de ta vie, tu marches à côté de ta vie en fait. Voilà, au lieu d'y être en plein dedans, tu marches à côté.
Tu regardes le bonheur là, parce que je suis sûre que tu sais le bonheur que tu pourrais avoir si tu étais sur ton vrai chemin. Mais tu continues à avancer. Voilà. Donc, à toi de voir. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, on va prendre les réponses angéliques pour faire la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta question et moi, je vais te tirer une réponse. Alors, par rapport à ta question, on te dit « nul besoin de s'inquiéter ». Voilà, donc ne t'inquiète pas. Je vais te lire le petit texte associé. Attends, faut que je trouve la page. Hein. Alors, 67. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. Le pardon. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs, l'enfermement. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Voilà, ça répond pas mal au tirage aussi. Hein. Voilà, petit scorpion. Non, 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 on va faire la question oui, non, non. Ben oui, hein. La question oui, non avec le normand. Donc, je t'invite à poser ta question fermée, hein, où on peut répondre par oui ou par non. Moi, je vais tirer 13 cartes. Si l'anneau ressort dans les 13 cartes, c'est un oui. Si la croix ressort dans les 13 cartes, c'est un non. S'il n'y en a aucun des deux, c'est un peut-être, on ne sait pas. Allez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a pas. Je regarde laquelle qui sort en premier derrière. Putain, elles étaient loin. Ah, c'est l'anneau qui ressort, mais alors il est loin. Il est très, 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 très loin. Donc, c'est peut-être. C'est un peut-être. Et en général, quand les peut-être ressortent, c'est-à-dire que tout dépend de toi. Alors, je sais, je te mets pas la pression, hein, mais en général, c'est ça. Voilà les petits scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un super bon mois d'octobre à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!